Bon, vas-y, bah, let's go, hein. C'est parti. On va accueillir. On va accueillir Thomas. Alors, je sais pas le prononcer, Thomas Zepfel. Thomas Zepfel, ouais. Oh, j'ai bien prononcé, incroyable. C'est de quelle origine? Strasbourg. Alsacien, ouais. J'ai jamais allé en Alsace. Ah ouais? Ouais, c'est un peu. Donc, ouais. Alors là, on a un petit peu de monde, ça vient de rentrer tranquille. Moi, comme j'ai pas live de la semaine, les gens ils reviennent tranquille et tout. Mais là, il y a quelques personnes intéressées. J'ai parlé un petit peu de. Bah, ça fait longtemps que du coup, je parle aux gens du projet, que j'explique un petit peu comment. Ouais, j'ai suivi. Comment je vois. Non, moi, tu vois, je suis vraiment le gars qui a envie de. D'apprendre les échecs le mieux possible, j'ai envie que les gens puissent aller sur un site et tout avoir, tu vois. J'en ai un peu marre qu'il y ait des bouquins, des machins, des sites, on joue là, machin. Donc c'est vrai que le défi de Web3 à centraliser tout sur un site, c'est magnifique. Donc bah, présente-toi et puis explique-moi comment t'en es arrivé là. Ouais, bien sûr, bah merci déjà de m'accueillir. Donc nous on a lancé Immortal il y a à peu près un an et demi, dans l'idée de vraiment révolutionner le monde des échecs. Ouais. Parce que bah, comme j'ai vu qu'il y a pas mal de gens dans ta commune et tout qui savent qu'il y a Lichess et Chess.com qui sont clairement leaders sur le marché aujourd'hui et qui ont fait un super job, hein. Ils existent depuis 15-16 ans, ils ont vraiment permis la digitalisation des échecs. Ouais. Et nous on pense que la prochaine étape c'est d'utiliser le Web3 mais vraiment comme un utilitaire pour amener des choses nouvelles dans les échecs. Ouais. Et donc, il y a deux choses principales, selon moi en tout cas, et selon une bonne partie de la team j'espère. C'est d'abord le côté de digital ownership, donc ça c'est plutôt un peu global avec le Web3. D'accord. C'est le fait que bah, ça c'est pas forcément trop le cas dans Chess.com et Lichess, mais t'as ça évidemment dans Fortnite ou dans plein d'autres jeux. Oui. Bah, moi quand je m'investis dans un jeu, tu vois, j'ai joué à LoL mais malheureusement j'étais un peu nul. Quand je progresse, etc., j'ai envie d'avoir quelque chose qui me ressemble. Et surtout que j'ai de la liquidité dessus, tu veux un pas forcément financière. Voilà, ouais, exactement. Mais j'ai finalement ce que tous les gens recherchent dans les jeux, mais j'ai envie quand même qu'il y ait quelque chose qui existe en dehors du jeu. Quoi. C'est vrai que sur LoL, quand tu finis une saison et que tu as fini, on va dire, diamant et que tu as ton petit logo diamant toute la saison d'après, voilà. C'est ton truc. Quand tu as ton skin, tes persos ou ça, c'est génial. Mais ça, justement, et ça reste dans LoL, tu vois. Mais LoL, c'est tellement grand que, après, entre guillemets, ça suffit à lui-même. Tu as CSGO qui fait ça avec les couteaux et tout, qui peuvent être changés. Exactement. Ça, je trouve ça. Bon, au-delà du côté même financier, finalement, juste le fait que tu vois, ça crée un truc social, je trouve ça assez incroyable. Et nous, c'est quelque chose qu'on veut amener dans les échecs qui existent. Pas trop selon moi sur Chess comme Lichess. Et le deuxième point au final qui est assez lié, c'est tout le côté social. Ouais. Donc bah, les échecs ça se joue un peu tout seul. Tu vois, je pense que c'était assez incroyable d'avoir eu Queen's Gambit, enfin le jeu de la dame sur Netflix. Y a une série et ensuite de trucs, les streamers, dont toi. Tu vois, et tout, voilà, exactement. Et toi en plus t'es arrivé entre guillemets en étant un streamer d'autre chose qui revient sur les échecs. Et ça a fait énormément de bien à la discipline. Mais je pense que bah, ce qu'on a envie, c'est d'aller l'étape encore au-dessus, c'est-à-dire que même les gens qui sont pas streamers et tout, il y a ce côté social. Ouais. Donc c'est pouvoir créer des équipes, pouvoir créer des compétitions qui soient liées à des choses sociales et pas du tout seulement à faire un 1v1 tu vois, chez toi à 10h du soir. Quoi. Okay. Donc c'est vraiment créer ça en plus. Évidemment, le chemin il est immense, si ce n'est infini, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaie de construire avec Immortal Games. Ok, mais du coup, ouais, il y a des gens qui veulent une explication rapide de ce qu'est le Web3 en fait. Ah ouais, bien sûr. C'est bête, mais... ouais, non, bien sûr. Donc en fait, avant on appelait ça, c'est un peu, pas bullshit, mais c'est un peu un rebranding de la blockchain, on va dire. Ouais. On peut dire que c'est à peu près la même chose, juste ce qu'on dit que le Web2, c'est ce qui était avant le Web3, donc c'est ce qui a permis d'avoir la diffusion massive du Web2, c'est tout ce qui est la vidéo, donc, typiquement les streamers qui sont arrivés, avec tu vois, Twitch ensuite, mais avant YouTube, etc. Ouais, les flux plus le direct. Voilà, les flux qui plus c'est ouais, en direct. Gros, Web1, c'est des pages internet qu'on charge, qui sont statiques. Web2, c'est du direct. C'est du direct et le fait les sockets, en fait. Exactement. Ça, ouais. Et Web3, en fait, ce que les gens pensent être le Web3, c'est justement ce côté décentralisé. Donc en fait, ça passe souvent sous forme de wallet. Je sais pas si tu vois, un MetaMask ou il y en a plein d'autres, mais celui-là, c'est celui qui est le plus connu. Et ça permet d'avoir donc une sorte de compte qui est lié à toi donc, et sur lequel tu peux faire des échanges. Ouais. Et ces échanges, ils peuvent être ça peut partir du Bitcoin, donc on va dire qui est le truc le plus classique, où c'est vraiment comme si tu échangeais des euros, jusqu'à maintenant des NFT, où là, c'est plutôt une sorte de certificat de propriété d'un objet ou de quelque chose. Il y a plein de gens qui associe le NFT à des arnaques, mais en fait, il y en a plein, c'est pour ça. Avant d'être des arnaques, c'est un certificat en fait d'authenticité, mais de quelque chose de numérique. Exactement. C'est-à-dire qu'actuellement, ça veut dire non fungible token, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas. Et c'est vrai que ça te permet de créer une sorte de propriété sur quelque chose qui est digital. Il y a quelqu'un qui dit ça, Web1 égale lire.
Ouais. Le 2 égale lire et écrire. Ouais, bah, tu vois, et Web3 égale lire, écrire et posséder. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait, tu vois, avec le lire et écrire. Dans ton cas, typiquement, c'est pouvoir streamer en live. Alors qu'avant, bah, évidemment, c'était avec les flux possibles, c'était pas possible, justement. Et donc, ouais, donc ça, c'est le Web3, c'est ce que ça permet de faire. Donc, ça a évidemment plein d'implications dans la finance, dans le côté bancaire. Donc, tu vois, tu peux envoyer de l'argent un peu comme sur Litchi ou quoi que ce soit, mais dans le Web3, donc de manière décentralisée, sans que ça passe par donc, une entreprise, au final, c'est ça que ça veut dire. Ça passe seulement par un protocole dont la sécurité est pérennisée par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et qui en font la sauvegarde. C'est, le concept, c'est ça, au final. Ouais, bien sûr. Voilà, mais ça, tu sais. Ok. Et du coup, comment est-ce que... Enfin, on est d'accord qu'on s'attaque quand même à un mastodonte quand on pense à Chess.com et Lichess. C'est... À quel point est-ce que tu es confiant de pouvoir y arriver et c'est quoi pour toi les marches à franchir pour y arriver, tu vois? Bah, en fait, c'est à double tranchant. C'est à la fois c'est un mastodonte parce que bah comme tu l'as dit, tu vois, Chess.com... Un mastodonte avec beaucoup de problèmes de connexion en ce moment. Mais Chess.com, c'est à peu près 20 millions d'utilisateurs mensuels uniques. Okay, donc, tu vois, c'est quand même assez gros pour un jeu d'échecs. Ouais. Faut savoir que les échecs dans le monde, c'est entre 800 millions et 1 milliard de personnes qui savent jouer aux échecs. C'est ouf. Pas sur internet, hein, mais qui savent jouer. 800 millions ? Ouais. Une personne sur 7 connaît les règles ? Ouais. Oh, c'est incroyable. Bah, regarde autour de toi, à mon avis, tu vois, je te dis pas être 1200 Elo, hein, mais ouais, tu sais jouer, quoi. Donc c'est quand même assez ouf. Donc je pense que c'est à double tranchant parce que d'un côté, en effet, ils sont bien établis. Mais ce que ça montre aussi, c'est qu'il y a déjà un marché qui est gros. Ouais. Et donc nous, même si on va chercher à la base quelques pourcents, ce qu'on a déjà fait, de la taille, et ben en fait, ça nous permet déjà de bootstrapper. Mmh. Et en fait, c'est ça qui était la première étape. C'était comme c'est un PVP, bah, c'est hyper dur de commencer from scratch parce que bah tu sais pas comment tu vas attirer tes premiers 2-3 joueurs. Que c'est avoir des joueurs qui te permet d'avoir des joueurs. Bah ouais, c'est ça. C'est ça qui est incroyable. Et ça, honnêtement, je pense que le Web3 nous a vachement aidé là-dessus. Ouais. Parce que t'as un côté du Web3 dont j'ai pas du tout parlé, c'est le fait que t'as des gens qui se passionnent pour des projets, aussi dans la logique d'avoir des rewards, donc qui peuvent être financiers, mais juste aussi bah, un peu ce que je disais, avoir un sentiment d'appartenance au projet en ayant des tokens ou des NFT qui sont génétiques. Ouais, en fait, il suffit que des gens soient un peu dans les délires pay to earn et qu'ils jouent aux échecs. Exactement. Et ça leur paraît une évidence de s'intéresser à Immortal. Ouais. Ouais. Et donc, nous, grâce à ça, mais pas que, tu vois, nous on a plein de gens aussi qui sont pas du tout là que pour l'argent, qui sont là aussi juste parce que bah ils sont contents de posséder des Immortals qu'ils ont gagnés gratuitement et ça leur permet, comme je disais au début, de créer une identité sur le jeu et de se créer une personne, entre guillemets, enfin une identité de joueur. Et donc en fait, ce qui est incroyable, c'est que dès le début, on a réussi à avoir 2-3 000 joueurs day one. Et ça, c'était évidemment par un travail en amont de créer une communauté via tout un système où on leur a dit bah voilà notre roadmap et tout. Au début, évidemment, ça sera de la merde. Et tu vois, quand on a lancé, il y a eu plein de bugs et tout. Non, et au fur et à mesure, tout s'améliore. Je pense que c'était quasiment le seul moyen. Ah ouais, je pense. En fait, c'est là où les gens doivent comprendre un truc, c'est que si demain on vous dit l'objectif c'est de faire un site qui concurrence Chess.com ou qui est capable d'amener quelque chose de nouveau dans les échecs et qui doit créer une base de joueurs solide au début à partir de rien, je pense qu'il n'y a aucun autre moyen qu'en passant par le Web3. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vu. Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, de base, je ne suis pas super attiré par la spéculation. Pas par les NFT. Hein. Les NFT, pour moi, c'est quelque chose de super intéressant. Intellectuellement. Ouais, intellectuellement, mathématiquement. Mais en fait, le côté spéculatif, tu vois, quand il s'agit de gamble, moi, c'est quelque chose que j'évite de promouvoir. Ouais, forcément. Il y a beaucoup d'arnaques. Il y en a eu plein. Mais en fait, quand tu vois Steam, par exemple, qui propose CSGO quasiment gratuitement, enfin en tout cas les serveurs sont tournés gratuitement, t'as besoin de mettre de l'argent tous les mois, juste parce que t'as des gens, une petite portion de gens qui eux s'intéressent au marché des couteaux de CS, des armes de CS, qui financent tous les joueurs qui vont pouvoir jouer gratuitement, en fait je vois pas le problème, tu vois. Bah c'est exactement, en fait Chess.com au final a un peu cette logique là, puisque tu vois, je crois qu'ils ont 10% de leur player base qui est subscribed, et t'as accès à des contenus supérieurs, etc. Nous la vision c'est un peu différente, c'est de dire, en fait, tout le monde a accès à la même chose. Ouais. En revanche, si tu as envie d'avoir, en effet, peut-être un peu plus de reward ou un peu plus de sentiment d'appartenance en ayant ton NFT, bah, tu contribues en plus. En fait, c'est du cosmétique. Voilà. Et ça te permet quand même pour accéder à des tournois différents, tu vois. Il y a des NFT aussi qui te donnent accès à du contenu exclusif, mais pas en tout cas des fonctionnalités de jeu. Donc ça, c'est important pour nous. C'est vraiment n'importe qui a accès à la même chose. Tu parlais au tout début du côté éducationnel. Enfin, désolé, j'ai un peu des franglais, mais du côté éducatif.
Et donc ça pour nous c'est hyper important, on est encore jeune là-dessus, on développe plein de choses mais ça prend du temps. Bah t'en parleras peut-être un peu avec Boris après, tu vois. Et là-dessus, bah nous ce qui est hyper important c'est de l'offrir à tout le monde. Alors que Chesscom typiquement, ils disent il faut payer pour l'avoir. Ce que je peux comprendre, c'est un business model comme un autre. C'est dommage dans un jeu où bah, l'analyse pour moi par exemple qui est payante sur Chesscom, je crois qu'il y a un certain nombre par jour, je sais plus. En lisant un modèle comme ça. C'est dommage, tu vois, tu veux progresser aux échecs, l'analyse doit être gratuite. Nous, tu vois, le business model, il est un peu inverse, c'est de dire que nous, on pense que les échecs, c'est déjà gros, mais on pense que ça peut être encore plus gros sur Internet. Ouais. Donc en fait, comment tu fais pour recruter des joueurs, entre guillemets? Bah, tu leur apprends comment jouer. Oui. Parce qu'en vrai, aux échecs, tu vois, quand tu commences et que tu sais pas jouer, c'est l'enfer, enfin, c'est pas très drôle. Et du coup, en parlant de ça, justement, c'est quoi les prochaines steps de Coup d'Immortal? Ouais. Bah, en gros, nous, là, on a un jeu où on a à peu près entre 5... Actuellement, on peut jouer, quoi. Bien sûr, c'est déjà pas mal. On a à peu près entre 5 et 10 000 joueurs uniques par jour, tu vois, donc ce qui était déjà un step qui était correct et dont on avait besoin pour avoir ce qu'on appelle du matchmaking. Parce qu'en plus, la difficulté, c'est que t'as les Elo. Enfin, c'est pareil sur LoL, mais tu vois, t'as pas envie d'avoir un bronze contre un diamant. Ouais, il faut qu'il y ait 10 000 joueurs, mais réparer. Voilà, exactement. En plus, souvent, ça fait une sorte de gaussienne. Bah, pareil, ça, tu pourras en parler avec moi. Tout en haut, tout en bas, faut qu'il y ait quand même des joueurs. Voilà, exactement. Et voilà. Et donc ça c'était la première étape. Maintenant l'idée c'est de rajouter très rapidement là, je pense d'ici un ou deux mois, le côté analyse. Ça c'est on travaille beaucoup dessus, ça c'est hyper important. Et honnêtement on s'est rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose de très bien, tu vois, vraiment je pense du niveau de Chesscom, donc ça c'est assez cool. Et on l'offrira à tous, enfin, c'est normal pour nous de provider ça comme service. On a aussi tout un travail sur les puzzles, donc je sais que tu en faisais beaucoup. Ça c'est hyper important pour vous essayer, moi aussi. C'est fou à quel point, mais moi c'est dingue, je sais pas s'il y en a dans le chat qui peuvent confirmer, mais moi je me fais deux jours de suite où je fais une heure de puzzle. Ouais, tu progresses de ouf. Et le c'est pas que je progresse, c'est que le troisième jour, je vais être tellement affûté. Ouais, bien que sûr. Ça va être c'est comme une séance de sport, c'est ça, en fait c'est comme si tu avais fait du sport pendant un mois et pour après, le coup c'est un côté un peu d'adrénaline je trouve avec les puzzles où c'est assez cool. Et donc là nous on va proposer en plus des modes un peu différents de Chesscom là-dessus, un peu plus justement ludique peut-être. Donc tu vois on a une sorte de battle royale sur les puzzles qu'on va sortir. Dans l'idée genre à 50 en même temps. Ouais, 50 ou 100 qui arrivent sur le puzzle à 10h, toutes les 10 minutes. Et en gros, à chaque puzzle, le dernier qui l'a pas fini, il est ciao, bye bye. D'accord. Et donc, comme ça, ça a fini. Et à la fin, tu as un classement entre guillemets décroissant par rapport à la manière dont tu as réussi à tenir. Ouais, faut réfléchir à comment. Mais c'est encore en cours de Ouais, on est en train de le dev à moitié, mais on réfléchit beaucoup là-dessus. Donc, ça, c'est Nicolas que tu avais rencontré qui réfléchit là-dessus. On a aussi le côté, tu vois, ce qu'on aime bien, parce qu'on joue à plein d'autres jeux évidemment. Ce qu'on aime bien, par exemple, de Hearthstone, tu sais, c'est la partie. Enfin, je sais pas si tu. J'ai jamais vu si tu jouais à. Moi, j'ai joué à Hearthstone, j'étais légende. Ok. Ouais. T'inquiète pas. Et donc, en gros, tu as une partie où tu sais, tu sais ça s'appelle Arène, je crois. Arène, ouais, tu choisis à chaque fois. Et tant que tu n'as pas 3 loses, tu continues de jouer. Oui, exact. Et bah là, tu vois, typiquement, on veut lancer ça aussi dans les échecs. Okay. Parce que tu n'as pas ça sur Chesscom et on trouve ça assez sexy comme manière de jouer. En puzzle? Non, en normal. Là, en normal, ok. En tournoi normal, partie normale. Mais il y a un système de draft pareil, vous voulez faire un truc comme ça? Non, ça, je pense pas. Par contre. Mais peut-être un système de draft pour des edgeless. Enfin, là, je rentre dans des détails que ta commu connaît pas, mais ouais, voilà. Donc, tu as des trucs comme ça assez marrants qu'on veut mettre en place. En tout cas, pour essayer d'apporter quelque chose de différent. Non, parce qu'il y en a qui pensent que c'est que du skin, mais en fait, les pièces ont des particularités. Ouais, elles ont des quêtes, en fait, avec des défis à accomplir. Genre, par exemple, si vous avez au pouvoir un pion qui doit absolument manger un autre pion avant de mourir, ou alors un roi qui doit absolument pas roquer ou pas petit rock, il y a plein de petites challenges. Exactement. Et il y a vraiment un potentiel de fou pour moi là-dessus. Bah ça, j'en parlais justement avec je sais plus comment il s'appelle. Nicolas peut-être. Non, Nicolas. Nicolas, je pense. Et en fait, on en parlait ensemble parce que je devais lui présenter un modèle que j'avais pensé où justement ce serait ultra compétitif. Ouais. Parce qu'actuellement, c'est dans une philosophie play to earn. Ouais. C'est-à-dire qu'on spamme les games pour accumuler des points de quête. Ouais. Enfin, moins dans le tournoi, mais. En tournoi, c'est plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on privilégie de plus en plus les tournois. Ouais. Parce que là, tout le monde a le même temps, donc ça favorise ceux qui sont capables de générer le plus de points. Mais même au sein d'une même partie, que du coup, deux personnes puissent se confronter avec cette mécanique. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec LoL, avec les drafts, avec. Il y a clairement un concept. Super marrant. On avait pensé à un système de draft en effet pour les Immortals ou les Edgeless, mais on n'est pas pour l'instant on n'a pas le temps. Mais en fait, moi quand j'étais petit, je jouais un petit peu aux échecs, j'ai fait même des petits stages et tout, j'ai joué pendant 2-3 ans en club, jusqu'à 1000 Elo, tu vois, j'étais vraiment pas bon. Mais en fait, à un moment donné, on avait fait un petit.
une sorte de colo ouais. où tu vois il y avait une sorte de pyramide géante et en fait on devait monter dans la pyramide en ouais. faisant des games contre les autres voilà, ouais, et il y avait que des games qui n'étaient pas des échecs, c'était du keeper gang, le truc de la bombe ouais. C'est, et en fait les échecs quand tu es à fond dans la théorie, à fond dans les tactiques, des fois ça peut vite devenir rébarbatif. Bien sûr, faut que ça et reste je trouve physique, que le côté où tu sors des échecs mais les règles restent les mêmes. Mais enfin, les déplacements des ouais, pièces déplacements, sont les mêmes. Il y a pas de côté, tu peux jouer deux fois ouais, de suite. C'est ça. Mais ça. En fait, là, t'as le truc où t'as des enjeux en fait dans la partie. Ça te permet de réfléchir autrement. Surtout quand même quand tu commences finalement à avoir un niveau peut-être 1004, 1005, où tu commences quand même à connaître des ouvertures, des lignes, ouais. etc. Au final, ça te perturbe entre guillemets. Ouais. Et ça t'apporte vachement, je trouve, parce que c'est ça qui te permet de progresser. Mais on l'a vu beaucoup avec le championnat du monde 960. Je sais pas si t'as su. Typiquement, ça c'est un truc qu'on veut mettre en place assez rapidement. Pour ceux qui connaissent pas 960, c'est en gros toutes les pièces de la première rangée sont placées au hasard. Exactement. Bon, selon certaines règles, il faut avoir deux fous de couleurs différentes. Le roi à gauche et à droite de la tour. Ouais, il faut que les deux tours soient ouais. bien à gauche. Mais du coup, il y avait ce truc où plein de joueurs. On va dire qu'ils apprenaient par cœur leur ligne, ils se faisaient défoncer ouais. parce qu'en fait ils n'étaient pas bons aux échecs en fait. Ouais. Enfin, alors que c'est des mecs top 100 mondial, mais ouais. en fait ils se font ramasser par des mecs top 500. C'est trop bien. Et t'as le Hikaru Nakamura dans sa plus grande forme qui défonce tout le monde parce que juste le gars est bon aux échecs ouais. et il a pas besoin de connaître. Ouais, ce qui est incroyable, c'est que même à voir, je trouve, c'est presque plus sympa parce que même les analystes ils savent pas trop ce qui se ouais, passe. Ouais, il y a des tactiques qui pop, des trucs. Dis, mais qu'est-ce même parfois t'as des idées où tu dis mais en fait j'aurais fait ça et parfois ça marche parce qu'en et fait, surtout tu tellement... peux perdre deuxième coup. Ouais, il y a des fois tu joues un coup. Et il y a un seul coup possible au deuxième coup, tu vois. C'est ça le problème. Il y a certains cas où quand t'as les blancs, t'as vraiment un gros avantage, oui. contrairement aux échecs naturels. Ouais. Bah, c'est incroyable. Ouais, mais c'est du cool. coup, ouais, c'est faire plein de modes de jeu, ça peut être super intéressant ouais, et ça peut être. Mais du coup, ce qu'on disait, c'est qu'il y a l'enjeu. S'il y a des modes de jeu en plus, il faut qu'il y ait plus de joueurs aussi. Exactement. Sinon, c'est ça. Malheureusement, le matchmaking. Exactement. Donc, tu vois, tu parles de ça. Nous, l'objectif, là, on est en février. L'objectif, c'est d'ici fin d'année d'avoir 100 000 joueurs actifs journaliers sur la plateforme. Ouais. Et à partir de là. À partir de quoi ? Fin d'année, d'ici fin d'année. Oh, tu vois, ça se fait, hein. Grossit... Ouais, franchement, ce qu'on a avec connu. Tout ce qui arrive dans les prochains mois. Bah là, tu vois, on était plutôt, on va dire, discret en termes de com et tout, parce que justement, on travaille beaucoup sur le produit pour être content et fier de ce qu'on a à montrer une fois qu'on communique. Et là, on a une grosse update de la plateforme qui arrive. Ce truc de la personne, elle va donner une chance au site. Bien sûr. Et si elle n'est pas satisfaite, bah oui, elle revient pas. Alors que quelqu'un qui est curieux, qui n'a pas été spammé de pub, exactement. Qui va vite fait voir le site, qui se dit ah, il manque ça, il reviendra. Bien sûr. Mais un mec qu'on a matraqué, s'il vient et qu'il trouve pas ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on fait quasiment zéro pub. Mais là, on est d'accord que analyse, problème et appli. Ouais. Appli mobile. Ouais, l'appli aussi sort. L'appli mobile, ça va être bientôt. Quand ces trois trucs vont être là, je pense que ça va commencer à être sympa. La player base va décuper, c'est sûr. Il y avait quelqu'un qui demandait comment gérer les cheaters, on verra ça juste après avec Boris. Boris, il voit ça, après je peux en parler un peu, c'est vrai que c'est un challenge énorme, mais honnêtement, pas que pour nous, tu vois. Chess.com et Lichess, bon, il y a eu un énorme scandale sur Chess.com, enfin pas que sur Chess.com. Ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais on y travaille, Boris y travaille beaucoup. Ouais. Au final, le fait d'avoir des côtés financiers, c'est un peu à double tranchant aussi. Parce qu'en effet, forcément, tu as peut-être plus de gens qui veulent tricher parce qu'il y a un appât du gain. Oui, bah oui. Mais en contrepartie, ce côté incentive, ça permet également d'avoir des sanctions qui sont plus fortes. Ah c'est-à-dire ouais. que tu vois, sur Chess.com, tu triches, tu te fais bannir. Tu, vois. Ouais. tu crées un autre compte. Maintenant, ils ont mis en place un KYC, donc tu es obligé de donner ton identité si tu d'accord. veux avoir certains comptes. Mais en fait, tu n'es pas obligé. Demain, je peux créer un autre compte avec une autre adresse bien mail. Sûr. Personne, enfin, tu vois, tout le monde s'en fout. Nous, imagine le mec triche, il touche pas ses rewards, donc en fait c'est comme si c'était une sanction financière. Ouais, tu frises. Ouais, exactement. Compte, en fait. Donc c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, il peut y avoir plus d'envie de triche, mais la sanction peut être plus agressive. Ouais, c'est sûr. Oui, parce qu'en fait, vu que tu possèdes plein de choses sur ton compte. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que sur Chess.com, tu recrées un compte, je monte presque plus vite à mon élo. Ouais, parce que t'as une convergence qui est beaucoup plus rapide, comme sur LoL. Hein. Ça m'a fait rire parce que la dernière fois, j'étais monté à 2000 sur un Smurf, ouais. alors j'ai jamais atteint les 2000 sur le main, tu vois. Ouais. Et donc, il y a de 50 ou de 100 de Rennes. T'es limite motivé à recréer un compte quand t'es pas mal. Alors que là, oui, si t'as ton capital, mais c'est ça. Hein. Moi, sur LoL, tu vois, j'ai tous mes persos, j'ai tous mes trucs. Ouais. Quand je me fais ban, ça fait mal au cœur, tu vois. Bah, oui. Tu dois recréer un compte, tu repars de zéro. Tu le fais. Pour le coup, je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai pas. Ça fait deux ans que j'ai pas joué, mais t'as une période où tu peux pas jouer. Hyper longue en plus. C'est dur, l'enfer. Me parle pas de ça, c'est dur. C'est 23 heures de cover social. 23 heures, j'avais oublié, putain. Ouais, je l'ai fait deux fois. Et pour le plus rapidement possible. Il faut payer pour que ça aille vite. Non, ah ouais, je me souviens plus. Mais ouais, non, bien sûr. J'étais trop mauvais.
Mais ouais, donc le système anti-cheat, c'est tellement intéressant parce que ouais, du coup, il y a l'IA qui rentre en jeu, il y a des trucs. Il y a plein de tout, quoi. L'IA, mais même, il y a des trucs plus basiques aussi, mais qui sont hyper intéressants de comportement. Tu vois, juste le fait que sur ton ordi, tu vas avoir plusieurs fenêtres, plein de choses, tu vois, enfin, des choses finalement qui paraissent bêtes, mais qui sont pour nous essentielles. Et jusqu'à où tu as le droit de regarder ces choses-là? Bah, en fait, c'est tout ce que l'ordi t'envoie. Nous, on n'en fait rien de plus que toi. Parce que moi, je me rappelle d'un jeu qui s'appelait Osu. C'est un jeu de rythme. D'accord. Et il y avait vraiment beaucoup de cheats sur ce jeu. Ah oui. Et le développeur du site avait développé un anti-cheat qui était carrément introjant. Ah tu vois. Genre en fait c'était un. Le gars avait développé un anti-cheat, c'était un virus sur ton PC. D'accord. Et en fait il prenait des screenshots toutes les 10 secondes. Ah ouais, non, d'accord. Mais c'est abominable. Ah oui, non. Du coup le gars quand il voulait checker un compte, il regardait ce que le gars faisait sur son ordi. Ah oui, bon. C'était horrible. C'était un business model différent. Alors, en fait le gars s'est fait carrément poursuivre en justice. Ah bah oui, mais c'est, genre, c'est chaud. Non, c'est vraiment incroyable. On n'a pas prévu ça encore. Mais ouais, maintenant que tu me donnes l'idée, on va réfléchir. Mais ouais, mais d'ailleurs il y a une autre anecdote marrante. Il y a un mec en Roumanie qui a fait un tournoi on the board. Ok. Et en fait il a été pris dans les toilettes. Regardez sur Chessify les analyses. Ouais. C'est un truc de ouf, ça y est. Mais en fait, attends, parce que le plot twist, c'est que dans le tournoi, il était à 0,5 sur 4. D'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'il allait. 3 défaites pour une nulle. Du coup, il s'est dit, il faut quand même que je gagne une game. Du coup, il allait tricher. Il s'est fait griller, il a été ban. Mais c'est ça qui est incroyable sur la triche aux échecs, c'est qu'honnêtement, même dans les tournois assez élevés et tout. Avant le scandale de Hans Niemann, dont on parlait tout à l'heure, où c'est un mec qui a soi-disant, enfin on sait pas trop c'est encore, même pas, on sait toujours pas, potentiellement triché, on va dire. Ouais. Bah, en fait, il n'y avait pas trop de contrôle. Ouais. C'est-à-dire que les gens pouvaient aller aux toilettes normales avec leur téléphone. C'est quand même assez incroyable. Quand on voit par contre la détection de la triche dans les autres sports ou du dopage, c'est tellement à un autre niveau que là on se dit qu'il y a quand même un peu de retard dans les échecs. Ouais, mais après, c'est. Mais c'est là aussi, il y a le débat de. Toute la partie, les parties de 6 heures, machin, le format des tournois, c'est toujours la même chose. Hein. Bah, ça, pour le coup, on voit vraiment beaucoup de la communauté d'échecs plutôt se tourner vers des formats de plus en plus rapides. Ouais. Parce que c'est quand même plus facile à suivre, il y a un peu plus d'erreurs, donc c'est plus excitant aussi, il y a plus de rebondissements, etc. Et qu'est-ce que ça apporte exactement Immortal Games? C'est vrai, c'est une question, si tu devais répondre en une phrase. Bah, en une phrase, je pense qu'on essaie d'apporter le futur des échecs. Avec plus de liens sociaux et c'est le côté digital ownership, donc on va dire propriété digitale de chaque joueur. Comme tu dis finalement, ce que tu as sur LoL au final, sans pouvoir le transférer, mais c'est tellement fort, c'est que tu crées ton personnage, tu crées du capital digital qui est le tien et qui est incroyable. Bah, ça, nous, on a envie de recréer la même chose dans les échecs. Et aujourd'hui, sur Chess.com ou sur Lichess, on pense que c'est pas encore. Moi, je vais te donner ma définition de comment je vois Immortal dans le futur. Tu me dis ce que tu en penses. Moi, je vois vraiment ça comme la centralisation de toutes les ressources qui pourront exister à terme pour les échecs, tu vois. Ouais. Je vois vraiment. Pour moi, ce serait. C'est ça qui me fait bouger dans les yeux. C'est vraiment, je vois ça comme demain, j'ai vraiment envie d'ouvrir une appli pour apprendre les échecs, jouer aux échecs, me renseigner même sur les tournois qui a lieu, tu vois. Ça peut être aussi de l'actualité. C'est un réseau social, quoi. Exactement. J'ai envie de tout retrouver sur la même chose et de pas avoir besoin d'ouvrir des bouquins, d'aller sur un site, d'aller sur un autre, d'aller sur un autre. Ça en fout. Clairement, ça c'est vraiment, mais c'est la vision, dans 5 ans, quoi. Mais c'est hyper important de l'avoir, en effet, mais c'est d'ailleurs, ça. En parlant de l'apprentissage, de l'académie, tu peux en parler un petit peu des deadlines, des projets. Ouais, l'académie, en fait, c'est notre réflexion autour justement de côté éducation. Ouais. Et donc, c'est plein de petits éléments qui vont être au sein d'une sorte de couvert plus gros. Donc le premier, c'est tout ce qui est analyse, déjà, tu vois. Bien sûr. Et après, il y a. Analyse guidée, du coup, un peu. Comment? Analyse guidée. Pour l'instant, assez guidée, mais quand même assez simple. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de rentrer trop. Tu vois, sur Chess.com, c'est bien, mais pour des gens, pour toi et ton Elo, évidemment, tu vas rentrer dans les lignes, etc. Ouais. Mais pour quelqu'un qui est 1000, tu vois, ou qui apprend, ça va être un peu plus tourné quand même pour les gens qui sont, on va dire, en dessous de 1002, je pense, pour commencer. Ou vraiment, on va dire, on va mettre en avant quel est ton pire coup de la partie. Quel est ton meilleur coup de la partie. Okay. Et déjà, parce qu'au final, sinon, les gens, au bout d'un moment, ils se lassent et ils regardent plus leurs analyses, je pense. Donc, on va avoir un peu cette approche d'essayer d'avoir quelque chose plus. Les coups clés de la partie. Là, pour essayer de te faire progresser plus vite, tu vois, avec des gradients plus élevés, quoi. Ouais, Et donc ça, c'est le côté analyse. Et après, on travaille évidemment sur plein d'autres choses, plus du contenu éducatif classique, on va dire. Donc que ce soit avec des streamers, ça pourrait être avec toi, avec des grands maîtres avec lesquels on travaille comme Maxime, avec Dina qui est là, de vraiment créer aussi du contenu. Et même après l'idée,
c'est, ça pour le coup, ça se fait pas, pas beaucoup en tout cas sur des plateformes, ouais. De faire vraiment des cours particuliers, ouais. Ou à plusieurs d'ailleurs, plutôt comme des MOOC mais live, avec des grands maîtres, ou pas forcément, tu vois, un 1400 il peut apprendre des choses à un 800, enfin tu vois, c'est pas, y a pas besoin de... Mais moi je discutais d'un truc avec, je sais plus si c'était Nicolas... Mais ou Arnaud peut-être. Arnaud, ouais, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. Il y a tellement de ouais, bien sûr. Mais c'est qu'en gros, le fait d'être dans le Web 3 et aussi, même pas par rapport au Web 3, mais juste le fait que les développeurs soient un peu plus au taquet, soient ouais. Plus performants, parce que c'est un peu vieillot, Chesscom, dans ouais, la façon dont c'est connu. C'est qu'il y a le côté play to earn, et évidemment, il y a le côté. C'est un peu la. Ça devient un petit peu un jeu dans le jeu. Bien sûr. Dans le sens où on va apprendre les échecs. Bah pareil, exactement, tu vois, par rapport à ce que ce que je veux dire, c'est par rapport à ce imaginons, je joue une partie, ouais. T'as appris une... Imaginons sur le site, tu peux apprendre des ouvertures ouais, par cœur, ouais. Et après tu te retrouves à valider le niveau 0 parce exactement. Que t'as fini le cours. Bah une sorte d'arbre d'apprentissage. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ça, typiquement, un arbre d'apprentissage avec des niveaux, bah, tu avances dans ouais, je sais, Nicolas m'a dit que vous n'avez pas à le parler. Ouais, mais ça, c'est bah ça, c'est un truc sur lequel on bosse aussi. Bon, pour l'instant, plutôt, on va dire, on est au game design, on n'est pas en train de développer ça. Mais ça, exactement, on pense que ça peut aussi passer peut-être par les edgeless ou par les NFT, ouais. Dans la logique où en fait, bah, quand tu as validé, disons, une leçon ou je sais pas, quelque ouais. Chose, et bah, on te fournit ou avoir un NFT qui justement a cette quête-là. Progresser, ouais. Et en fait, et ensuite, ouais, tu le fais level up quand ouais. Tu arrives dans la vraie partie à faire ce que tu as appris. Par exemple, je sais pas, jouer ton fou en Fianchetto ou je sais pas, n'importe, ouais, jouer Queen's Gambit, whatever. Et donc, bah, ça, clairement, c'est un truc qui est assez marrant parce que c'est pareil, c'est vraiment c'est de build ton personnage digital. Non, mais genre, ça peut être capital. Vraiment, ce pion doit être poussé en B3 au premier bien coup. Bien sûr, exactement. Et ça te force à jouer une bah, niveau. Et bah, tu vois, c'est avec les NFT, c'est, ouais. Avec notre système de ouais, NFT, c'est embed, entre guillemets. Ouais, clairement. Donc, ça, c'est trop cool. Ouais, ça va être cool, ouais. Franchement, ouais. Voilà. Ok, bah, incroyable. Je sais pas si les gens ont des petites questions en chat. J'ai pas trop regardé ça. Ils jouaient quoi sur LoL? Ça en dit beaucoup sur les gens. Bah écoute, là j'ai mon coach de toujours, un ancien employé d'une ancienne boîte qui m'a appris à jouer à LoL et qui était lui diamant et moi j'étais argent. Mais tu jouais quoi? Je jouais Fizz. Fizz, ça va. Et Xerath. Donc Xerath, j'étais assez solide. Xerath, ça va. Ok. Ouais, je jouais et que mid. Est-ce que l'IA atteint ses limites aujourd'hui? Bon, c'est une question un peu globale, mais c'est bah non, ça n'a jamais atteint ses limites. Hein. Bah ouais, non, l'IA, ce qui est beau, c'est qu'elle s'entraîne à l'infini. Il n'y a ouais. Jamais de. Mais en fait, pour le coup, c'est... là, il n'y a pas longtemps, ils ont fait jouer ChatGPT. Je sais pas si t'as vu. Horrible. Contre. ChatGPT, elle comprend pas trop les échecs. Mais non, hein, en fait, il faisait que des coups illégaux. Oui, c'est génial. Mais la game est incroyable. Ah, j'ai vu ça sur la chaîne de Gotham, c'est tellement con. Mais oui, les gens connaissent pas encore assez les NFT, la monnaie numérique, c'est quelque chose qui est pas encore ancré dans les esprits. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a eu une sorte de dire, enfin, tout a explosé d'un coup. Ouais, ouais. Et il y a eu plein de scams autour. Bah, oui, forcément, c'est normal. Tous les gens qui n'avaient soit pas eu le temps, soit pas envie de s'y intéresser, bah, ils sont un peu effrayés par ça, ce que je peux comprendre. Moi, le premier, honnêtement, avant de me plonger dedans, je pensais plutôt que c'était un scam qu'autre chose. Donc, mais je vous incite, si vous êtes intéressé, à vraiment creuser le sujet, parce que c'est très très intéressant. Sur le côté ouais, artistique, ouais. Gaming, ouais, tout quoi. Et on demandait qu'Unicorn, on peut utiliser Immortal sans NFT Wallet. Ouais, bah bien oui, sûr. Justement, ouais. En fait, c'est ça l'enjeu, c'est que c'est ce qu'on expliquait, c'est que les gens peuvent se dire NFT, machin, crypto-monnaie, Web3, ça fait peur. En fait, non, le principe, c'est justement si vous avez envie de jouer aux échecs, vous venez jouer aux échecs, vous avez juste besoin de créer un compte. Ouais, un compte et il n'y a absolument pas besoin. Moi, par exemple, je dois mettre des ETH sur mon compte, je ne les ai pas encore mis. Donc en fait, actuellement, je joue en Vanilla. Et en fait, j'ai pu faire plein de games, j'ai pu avoir mes premières pièces LGS, donc c'est des pièces avec des quêtes qui sont gratuites. J'ai pu monter 1800 Elo sur le site, j'ai pu faire plein de tournois. Et tout ça, c'était entièrement gratuit sans jamais que j'ai besoin de connecter le moindre wallet ou quoi. Donc en fait, c'est vraiment. Et moi, c'est vraiment comme ça que je vends le site. C'est, je me dis, vous allez pouvoir venir jouer aux échecs gratuitement et avoir plein de ressources qui vous seront offertes. Voilà, bien sûr. Parce que justement, des gens intéressés par les NFT ou Web3, qui sont un peu plus curieux ou plus dans ce délire, bah, vont investir sur le site. Bah, exactement. Sur le site, et voilà. Et même peut-être en jouant énormément sur le site en mettant 0€, vous pourrez à un moment donné avoir vos propres ouais, NFT ouais, bah, avec le temps de jeu. Sur les tournois, il y a ça. Et nous, vraiment, plus d'un point de vue entreprise, là, l'idée, c'était vraiment de créer un projet qui était rassurant pour les gens. Tu vois. Ouais. Typiquement, tu vois, ça te parle à toi, alors que peut-être un autre jeu NFT qui n'était pas lié aux échecs, ça ne te parlerait pas du tout. Ouais, bien sûr. Donc, et ça, pour nous, c'était vraiment clé d'avoir une forme de rassurance pour les gens. Pour que ensuite, s'ils ont envie de s'intéresser aux NFT, et ils peuvent le faire de manière la plus smooth, enfin la plus tranquille possible sur le site,
en prenant leur temps et en appréciant, enfin en prenant du plaisir à jouer aux échecs aussi quoi. Ouais. Et Verbiendo qui dit, étant donné qu'il y a des gains, parce qu'on disait qu'est-ce qui empêche un de dev un bot qui va jouer des games avec un niveau moyen. C'est... Bah justement, en théorie, c'est l'enjeu de la question avec notre Boris. Team. Donc justement, ouais. On reçoit Boris juste après. Voilà. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, je sais pas s'il vient. S'il est là, tu veux qu'on... T'as des trucs à dire encore? Bon, c'est sûr. Ouais, on va jouer. Tu veux faire une game? Ouais, si tu joues un petit peu. Ouais, je pense que tu pars. Ouais. Je pense que tu vas me battre. Parce que Boris, moi, je suis un grand fan d'échecs, mais malheureusement, j'ai jamais été. Enfin, je sais jouer. Mais... Ouais. Parce que Boris, il est 2200, il va me défoncer. Ouais, je pense qu'il va te défoncer. Surtout si tu me bats, il va me venger. Mais contre le CEO, j'ai peut-être une chance. Voilà. Ouais, on peut tester le setup.